Suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'association franco-haïtien et amis d'Haïti, FA, fondée en 2007 par M. Valdemar, en partenariat avec l'association Aide aux enfants en perdition, AEP, est à l'initiative de la création d'une école primaire et secondaire qui ouvrira ses portes en octobre 2011 et d'un hôpital prévu pour l'année prochaine à Gressier, un des arrondissements de la ville de Port-au-Prince en Haïti. Les enfants commencent à prendre l'habitude pour jouer et sur le terrain. Nous avons un grand projet, la Féonée, aussi bien dégressé. Les gens, ils ont apprécié le travail qu'on est en train de faire. Je crois que si Dieu veut et il veut, toujours que cette école sera inauguré au mois de septembre avant la rentrée des classes. Concernant les dimensions du bâtiment, la superficie du bâtiment c'est de 468 mètres carrés, 11 salles de classe, une direction et une salle informatique. La superficie de chaque salle c'est de 30 mètres carrés, à raison 30 à 40 élèves par salle. Concernant de la structure, de l'ossature du bâtiment, je vous parle de la squelette, la structure du bâtiment seront en béton armé. Concernant pour les semelles, ce sont des semelles filantes pour supporter des charges portantes et des charges permanentes et des poids superficiels du bâtiment. Je vous parle de la surface totale du bâtiment. C'est de 468 m². FA parie sur deux piliers, celui de la jeunesse haïtienne à travers l'apprentissage scolaire. Cette école sera équipée d'une infirmerie, d'une salle informatique, d'un terrain de jeu et à ses côtés d'un centre de formation. Ses nombreux partenaires tels que le ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer, les collectivités territoriales de l'immigration et de la solidarité internationale, les mairies de Gressier, Nogent-sur-Marne, Asnières, Saint-Brice-sous-Forêt, Rosny-sous-Bois, Rincy, Châtenay-Malabry, Annoville-Légonesse cofinancent le projet. Le processus de reconstruction d'Haïti est en marche et ce projet démontre que c'est d'abord une affaire des Haïtiens eux-mêmes qui prouvent là qu'ils peuvent se prendre en charge pourvu qu'on leur donne quelques moyens. Tinatis Whitney Jessica, j'ai 14 ans, je vis ici. Oui, je suis content pour cette fête-là parce que les moutes machines, non, on a eu danger, je suis content. Il vient tout près de nous, on doit venir tout près là, sans banner pour la machine, d'accord. Alors, en fait, nous disons merci, son grand bagage nous fait. Pour ça, nous disons merci pour ça, on a continué. Et pour nous implanter une école professionnelle, parce que si nous avons fini, pour nous avons apprendre, ça nous avons apprendre dans l'école là. Nous aimons pour l'école là, t'as bien fait. Là, parce que nous aimons pour nous je viens de l'école là, mais pour m'appeler 10 coups de machine. Comme ça, 10 coups de machine. Moi, je vais me faire un bagage pour faire avec. Mais est-ce qu'on connaît l'école communautaire qui a bien implanté pour ici? Oui, merci FA pour l'école ça. Pour FA, vous avez amené, vous avez amené en santé pour les malades. Oui. Thank you.
l'école. Vous pouvez comment nous aider? Moi, je m'appelle Stéphane Marie-Caline Timoni. Moi, je m'appelle Dimoni Marie-Kévin. Ok, ça fait là. Oui. Vous avez aimé l'école là? Ça fait là. À l'école loin. Mais côté même l'école bien le combien là? Oui. Alors, c'est qui dans qui zone nous l'école? Léogane. Et nous disons que tu as aimé l'école là, pas vrai? Oui. Okay. L'école, c'est machine nous prend? Oui. C'est quoi l'école machine nous paye pour aller à l'école? Digoud. Digoud d'aller, Digoud tourner? Oui. Donc nous, l'école là vient là, nous ne payons pas encore, pas vrai? Non. Mais qui ça n'a pas dit fa, peut-être ça l'a fait pour nous là. Merci. Madame, nous saluons. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous aimez le projet faire les mêmes affaires dans la localité? Oui, moi-même. Mais pourquoi ça vous aimez le projet? Moi-même, le projet est de devenir faire belle dans la ferme. Ok. Mais l'école, là, on parle de tout le monde, comme si tu parles à l'école, qui ne parle pas. Oui, mais tu gardes ça pour quoi? Là, tu as l'école, mais depuis après 12 janvier, elle campait, elle parlait encore. On t'a dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, après ça, l'autre jour, va parler. Ok. Ça veut dire que, vous pensez pour vous, il fallait même à fond gros travail dans la zone. Oui. Ok. Mais qui sont attendre? Est-ce que vous pensez que pas avoir une possibilité pour tout le monde entre l'école là? Oui, depuis nous venons là, nous avons connu son gros espoir lié pour nous. Nous avons ça à faire, nous avons mis la maîtrise, nous avons mis pas mieux l'école là. Ah, ok. Ok, mais vous connaissez qui est-ce qui a organisé et qui a organisé ce qu'a fait et projet ça à lui-même, boy, c'est pas? Nation, pas. Ok. Mais qui ça vous dit? Avec l'organisation qui a fait bel travail pour nous. Non, merci, je vais dire merci. Mais est-ce que vous aimez l'école? Oui, moi j'aime l'école là. Il faut apporter si manger pour nous manger tout. Oui, mais est-ce que vous êtes prêt pour vous mettre à l'école? Non, même quoi je vais pour me raconter à quoi mais qui ça vous dit avec pas pour l'école là? Ça m'a dit avec. M'a dit merci. Allô? Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui contentement pour le projet ça, les mêmes favoris mettre dans la localité ça? Bon, je suis content de dire parce que l'école, zone non, sans plus de bagarre pour zone non, l'école là, je suis content parce que moi-même, je suis content. Je suis bien, mais continuer l'école tout. S'il finit là, je suis bien content. Ok, ça veut dire que vous comptez sur l'école pour mettre sous pied là? Oui, je suis content de dire. Mais est-ce que vous avez l'autre organisation qui fait ça déjà dans la zone non? L'école non. Okay. Mais c'est pour la première fois où une organisation prend l'initiative pour faire un genre de travail ça? Oui. Mais qui ça va dire avec ça? Moi, je vais dire un grand merci parce que moi, je suis un bel bagage pour vous. Une fois la journée, moi, je suis un bel bagage pour vous. Ok, nous remercions. Merci, vous-même. Je prie et si toi tu pries, si nous prions ensemble, le Saint-Esprit alors descendra et Haïti sera sauvé. Et Haïti sera sauvé.
moi je senti que je jouais en pile depuis les projets à venir là. Depuis les et j'ai une pose de pied à sous terre que moi bien content en pile parce que moi président non tout bon me salue tout me dit salut président et en pile parce que président depuis l'entrée la fionné que mon d'abord moi son bac si au rentrer la fionné parce que nous sommes une joie nous content en pile parce que la fionné c'est premier plus gros projet qui entre dans la fionné et les fini grand pile du monde qui pas arrivé dans l'école. Ça permet qu'il n'y ait pas dans l'école moyen et il y a un moyen. Il y a l'école juste les organes, il y a un cop pour pouvoir payer moto, les films payer moto, faut payer machine, aller-retour, 4 courses pour payer, 4 courses pour payer, mais qui parfois Timouna, pour mettre Timouna dans l'école les organes, Timouna, et dans l'année, il y a fait 1 mois, 2 mois, tout, après ça, on va pouvoir aller. Si par exemple l'école a vu là, il a dans le quartier, il est plus bon pour nous. Il est bon pour nous en pile parce que l'école là, même si elle était fini même dans 2 mois, 3 mois, nous sommes bien contents. Et ça permet de nous tout aller chez nous, nous avons toute force, tout courage nous, pour nous rester l'école là qui a marché. Moi, je suis bien content, je me dis merci beaucoup, beaucoup, en pile pour pouvoir mettre la fionne. La fionne vient commencer avec l'autre couleur, la fionne vient commencer avec l'autre changement, la fionne vient commencer avec l'autre, la fionne vient venir. Et moi, je suis bien content et je demande bon Dieu pour bénir moi pour faire mettre l'autre projet encore dans le quartier la fionne pour aider Katia. Et ça, c'est moi qui ai dit, parce que moi, je suis l'envie, parce que grand pile et jeune là, qui est dans Katia, il y a un petit job qui fait. Tout son étudiant est toujours. Moi-même, madame m'a fait manger quitte, c'est le même qui vend mon crédit pour les toucher. Elle n'a pas fait manger, il y a un problème. Quand on est là, moi, je vais marcher, je vais marcher là. Nous presque là, c'est dans Nandal, nous presque aller là. Parce que le bloc a marché, mettez là. Quand on est là, c'est bah là, voilà, là c'est coffraye. Coffraye. Alors bon moi fais-moi ça si je veux. Nous devons gagner dalle pour nous commencer tout bagaille correctement. Mais c'est femme dit femme merci en pile beaucoup. Ça ne beaucoup fini, me dit femme merci bien content. Alors c'est ça me t'a dit fa. Que patuko. Polé Werlin. Paul Gerlin, Sherry Schneider. Les projets du développement, de l'éducation et la santé. Et je dis à nous réunir. Et tout le monde qui est ici derrière nous là, pour nous capables d'aller à la recherche de nos parrains et de nos marraines. Alors, de gauche à droite, que nous avons M. le maire, qui est Paul Jean-Michelet. Le maire adjoint de Paul Jean-Michelet. Nous avons M. Pierre Audin-Jeune, qui est notre coordonnateur général national. Et en plus, nous avons l'ingénieur Wenchel. La Ferronné est une localité dépendante de la 3e section de Petit Boucan, commune de Gressier, département de l'Ouest. Donc, c'est une fierté. Je suis très fier aujourd'hui d'être avec les honorables membres de cette association venant de la France. Et je peux dire que c'est vraiment une concrétisation. Ce que vous voyez là, c'est le fruit de nos efforts. Nous avons consenti pas mal d'efforts pour implanter cette école ici. C'est une école financée par le gouvernement français via l'association franco-haïtien et amis d'Haïti. Vraiment, c'est une réussite. Non seulement pour la mairie de Gressier, mais aussi pour les enfants de la zone, pour les parents. Et c'est vraiment pour nous une joie. C'est un privilège pour nous d'être ici aujourd'hui dans le cadre de l'implantation de cette école et d'un centre hospitalier que l'association franco-haïtienne et amis d'Haïti, dans le cadre de partenariat avec la mairie de Gressier, est en train d'implanter dans cette commune. Donc en tant que coordinateur général de l'association ici, donc notre mission consiste à nous assurer de la bonne marche de la construction et de permettre à ce que tout soit bien organisé. Donc,
Dans le cadre de ce partenariat, nous avons l'apport de la mairie donc, qui nous a offert et a mis à la disposition de l'association ce terrain et un autre terrain pour l'implantation du centre de santé. Et donc, à travers cette école, nous voulons permettre à cette localité d'avoir une école de qualité. Et le monde...